Oui, c'est bon. Voilà, nous sommes ici à Ouagadougou, les récréatrales. Voilà Kaya Wotto qui arrive. Il fait une petite pause avec ses fans. Et là, il y a son manager, Serge. C'est pas une très grande responsabilité d'accompagner une star pareille. Ouais, c'est vraiment une très grande responsabilité. Mais bon, on essaie de faire avec parce qu'on n'a pas le choix. D'accord. Voilà, sinon, ouais, si une salle comme ça qui draine beaucoup de monde, vraiment, et avec le programme qui est chargé, vraiment, c'est une très grande responsabilité. Il reste très humble. Voilà donc Ouagadougou by Night. Kaya Wotto qui vient de saluer ses fans. Il sera sur scène dans exactement, on va dire, 30 minutes, 40 minutes, quoi. Bonjour, Kaya Wotto. Ouais, bonjour. Ça fait quoi de savoir que tu es un modèle pour la jeunesse? Bon, déjà, je peux dire, je dis, big up aux Maolandais déjà, tous ceux qui nous suivent actuellement. Bon, je peux dire, c'est l'expérience du ghetto, tout ça, en fait, parce que j'étais dans le ghetto, voilà, c'est à travers ça que j'ai appris beaucoup de choses, en fait. D'accord. Fait, voilà, d'être sur les kiosques à chaque fois, bon, écouter ce qu'il dit la jeunesse, comment la jeunesse cause, tout ça, c'est ce qui m'a donné la force au bon. Donc, je véhicule un message qui parle d'eux, en fait. Donc, c'est ça ma force, en fait. Un message pour les jeunes. Yeah. Et c'est quoi le message essentiel que tu peux donner aux jeunes? Un conseil pour les jeunes. Un conseil, je peux dire, c'est général, hein, en fait, parce que, bon, si vous écoutez mes sons, il y a des sons que je parle de la richesse, il y a des sons que je parle de la pauvreté. Bon, tout ça, c'est la manière. C'est le fond que j'utilise voilà, pour faire passer le message en fait. Et les derniers voilà. Sons, il s'agit justement d'un riche, voilà, d'un fils d'un riche. Oui, Rakana Biga. Ouais, le thème du son même, c'est un message aussi que je suis en train d'envoyer, mais beaucoup ne comprennent pas en fait. Mais il y a plusieurs personnes aussi qui comprennent parce que voilà, c'est le sens du son même, c'est dit à la jeunesse africaine que c'est possible, en Afrique c'est possible, on peut tout réussir en fait. Exemple, si un artiste comme lui là, il vit comme ça, avec un clip dans les bling bling comme ça, c'est que pour moi aussi c'est possible. J'ai pas besoin d'aller me sacrifier dans la mer pour traverser juste pour que, voilà, pour chercher l'Europe. Si lui il a réussi ici, regarde comment son clip est, regarde comment il vit comme ça, c'est un Africain comme moi, mais il a réussi dans ce pays, donc c'est possible pour moi aussi. Le message c'est ça. Parfait, voilà. Donc tu vas mettre le feu ce soir. Oui, bien sûr, c'est pour tout à l'heure, ça va monter par votre cracra. Kaya Wotto, il va cracra. Merci beaucoup pour l'interview. Hein. Merci, et très bon concert. Merci. Hey, les amis, vous aimez bien Kaya Wotto? Oui. Alors, attends, tu veux dire, vous pouvez faire sa chanson alors? C'est quoi sa chanson? Allez, vas-y, c'est quoi sa chanson? Kaya Wotto, c'est quoi? C'est l'Empire Maolandais. C'est vous, c'est chinois quoi? Faites la chanson. Voilà. Mais faites la chanson. Carabina. Il va chanter tout à l'heure. D'accord. Mom.
c'est dépensé. C'est le même sapin, ou tu viens de là. Tu vas gagner, y'a ta papa, ou ma copine, maman, papa, ou bah, ou l'équipe, juste pour moi. Si l'argent ne fait pas le bonheur, y'a le paradis qui dit. Faut pas te lire, tu vois, mon nom, quand on lit ça, on va pas. Ne ratez aucune vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime et sur la cloche de notification.